Salut Jean-Charles. Pour une fois, t'es à l'heure? Alors voilà l'objet. Oui, le vieux hautbois de mon grand-père. Alors, la guitare. La guitare, Nathalie, c'est ringard. Tout le monde en joue. Moi, je veux faire du classique. C'est pas en hurlant avec les marteaux piqueurs qu'on va les faire taire. Ah, ça non. J'ai pas besoin d'une boîte à rythme pour sentir battre mon cœur. Moi non plus. Ce qu'il faudrait, c'est retrouver l'art de se faire entendre. Sans taxer les sons. En envoyant du volume à plein pot dans les oreilles des pauvres gens qui écoutent. Je suis d'accord. Ces grands orchestres symphoniques, c'est assourdissant. Un hautbois au moins, ça ne pollue pas. Ça ne consomme pas d'électricité nucléaire ou autre. Non. On se passe sempiternellement les mêmes musiques. Pour finir, on vit dans un univers sans issue, où la création est calibrée, verrouillée, réservée à quelques rares élus. Trop bavard aujourd'hui, Jean-Charles. T'as fumé ou quoi? J'ai ajouté un refrain à ma chanson. Et j'ai écrit une ligne pour le hautbois. Tu veux voir? C'est juste la ligne mélodique avec les accords. Magnifique. Je vais te montrer un peu ce que ça donne. Déjà avec la guitare. Nathalie, c'est pas vrai. Elle est venue habiter avec toi? Et tu vas la supporter, ta mère? Je ne sais pas. Jack. Au fond, maman avait raison. Et depuis... Depuis... C'était ta décision. Je suis un faible. Un naze. J'arrive même plus à ouvrir mon courrier. Ma mère... Ouais, c'est ça. Reste avec ta mère. Jack. Dis-moi. Comment faire pour me suicider? Exactement comme ça. Reste avec ta mère, le plus près possible. Remonte-lui dans l'utérus si tu peux. Enterre-toi dans son sein.
Tu trouves que je déraille? Au lieu d'essayer vainement de vivre ensemble, on pourrait mourir une bonne fois ensemble. On peut sauter par la fenêtre. Mais ici, c'est seulement le premier étage. Il y a un grenier chez toi? Oui. Mais il n'a pas de lucarne. Les gens ne se pendent jamais dans la cave, t'as remarqué? Croire que les greniers, c'est mieux. Plus près de toi, mon Dieu. Ou bien les pistolets. C'est romantique. Il faut en avoir. Il y a aussi l'immolation par le feu. Il suffit d'acheter un bidon, d'aller le remplir à la pompe. Ouais. C'est un effort démesuré. Je voudrais chanter ça en direct et sans phare. Des espèces de tableaux musicaux. Des tableaux vivants. Dans des endroits inhabituels, sur une aire d'autoroute, dans un zoo. Un zoo. Je voudrais chanter pour les nuages. Chanter pour les oiseaux. Plutôt que de faire bêtement la quête. Ah. Tiens. Tu sais? Ne te gêne pas, non, vas-y. C'est un sol double dièse. C'est pas grave. Il y avait de l'idée. Pas toujours. C'est un effort démesuré. Et les petits oiseaux, ils chantent plus. Je les entends plus. Nathalie? Fais pas de bêtises.
Je vais venir te voir, d'accord? Le week-end prochain? Tu veux? Le béton armé de tes yeux et ton regard blasé, nerveux. Moi d'émotion, mon œil se mouille. J'aime tes cheveux couleur de rouge. J'aime tes cheveux couleur.